三、四、五、六、七、八、九、十、allez, encore 10, X, Ni, Sa, Chi, j'inspire, go, je souffle. Itch, encore 5. Ni. San. Chi. Go. I think of you. César. Allez, on fait une pause de 1 minute. Si vous voulez boire un coup, 1 minute. Allez, fin de la pause. Ok, on prend son arme, s'il vous plaît. Donc, si vous avez un bokken classique, on prend le bokken classique. Pour ceux qui auraient, on va prendre le bokken Kashima, qui est beaucoup plus lourd, hein, d'accord. Donc, l'avantage, c'est le relâchement, c'est-à-dire que le poids va vous aider à travailler le relâchement. C'est aussi une arme qui est importante dans les échanges Kashima, hein, avec une tsuba appropriée qui permet de bien protéger les poignets et les mains. Donc c'est important sur certains katas de l'école Kashima. Donc moi, je vous recommande d'avoir cette arme à l'occasion d'investir, mais on verra ça un peu plus tard. Hein. Ok, donc, pour le salut Kashima, alors on va démarrer, on va faire le salut. Ok, ça va, tout le monde suit? Ok. Salut Kashima, je me présente. L'arme à droite. Je passe l'arme à gauche. Je dégaine. Je prends mon arme à deux mains. Je descends à genoux. Je salue en posant la pointe sur le tatami et la main gauche sur le genou gauche. Je reprends mon arme. Je regarde mon partenaire, je me redresse. Allez-y, encore une fois.
Donc, je recommence avec le beau couteau de l'école Kashima. OK? Je vais me décaler un petit peu. Allez, Ich. Ni. San. Chi. Go. Look. Allez. À l'inverse, je range mon sabre, je repasse mon arme à droite, je salue en reculant. Allez, on recommence. Arme à droite, je passe à gauche. Je dégaine. Deuxième main. Je descends à genoux. Je pose mon arme, je salue. Je reprends mon arme à deux mains. Je me relève. À l'inverse, je regagne mon arme. Je passe à droite, je recule, je salue. Allez, on recommence. Je compte. Ich. Ni. Sa. Che. Go. Look. Nana. Ach. Que Dieu. Ich. Ni. San. Che. Go. Look. Ich. Ni. San. Allez, allez, sans parler. Allez, dernière fois. Allez. Ok, on va enchaîner avec les coupes. Ok, ça va, tout le monde suit? Ok. Alors, on va démarrer avec Kili Otosu, une coupe qui tombe. Kili Otosu. Kili Otosu. Kili Otosu, une coupe qui tombe. Alors, on a Kilo, un Shomen, ok? Shomen. Alors, je vais mettre comme ça. Levez le sabre. Coupez. Aïe. 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 Un point maximum. Un point maximum. En fin de coupe. Bien centré. Un point maximum. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. OK. Un point maximum. Donc, n'allez pas trop loin. D'accord? Ok, on va faire une série tous ensemble. Ok. Aïe. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Nana. Aïe. Que. Dieu. Aïe. Ni. Ça, chi, look, nana, ach, que, dieu, ich, ni, ça, chi, go, look, nana, ach, que, Dieu, Ich, Ni, Sa, Chi, Go, Look, Nana, Och, Que, Dieu. Encore une fois,
Ich, ni, sa, chi, go, look, nana, och, q, dieu, ich, ni, sa, chi, go, look, nana, ach, q, dieu, ich, ni, sa, chi, go, look, nana, ach, q, dieu, ich, ni, sa, chi, go, look, nana, ach, q, dieu. Allez, on relâche. Allez, petite pause, 30 secondes pour récupérer. Ça va? Ok, nous sommes 20 en ligne. Merci à tout le monde. Sympa. Récupérer, on respire. Ok, je vais essayer de récupérer les gens de Facebook peut-être. Je pense qu'on a des gens qui ne sont pas arrivés. Alors, où sont-ils? Jean, ok, on t'entend. Merci Jean. Il faut répondre sur YouTube. Alors. Ok, je vais essayer de faire un post sur Facebook, ça va peut-être aider les gens. Petite pause, vous pouvez continuer les sous-boulis, bien sûr, hein, d'accord, kilo tout sous si vous voulez. On va. Ok. Ok, Valentin, faut fléchir. C'est qui, Valentin? C'est Monsieur Armini? Alors, comme vous avez des pseudos, je ne sais pas forcément qui est qui, mais bon, Valentin Var, c'est qui Monsieur Var? Cécile, mes coupes font souche. Cool, top. On aime quand ça brûle, ça va brûler encore plus, ne vous inquiétez pas. Olivier, finis les 30 secondes. Ok, on y va, allez. Allez, alors, pour la suite des événements, Kesagili, ok, je marque. Je vous mets les mots, d'accord, comme ça, vous avez un repère. Je ne sais pas si vous les voyez, mais bon. On a démarré avec Kili Otosu, on enchaîne avec Kesagili, une coupe en diagonale. Le grand classique de l'école Kashima. On va démarrer. Épaule gauche, finir à droite. Donc, jambe gauche, ok. Montez le sabre, aïe, coupez. On passe derrière à chaque fois. Montez le sabre, coupez. N'oubliez pas de bien fléchir et d'être mobile dans les pieds, ok. Déplacez-vous un petit peu, ne soyez pas statique. Hein, ce qui est important, c'est d'avoir la mobilité, verticalité, l'axe, souplesse, relâchement, ok. Hein, donc, pas ça, hein. Là, mon ventre ne bouge pas, d'accord? Il faut bouger votre ventre. Donc, avoir les articulations disponibles, ok? Allez, on démarre. Donc, passer derrière le sabre, épaule gauche, finir à droite. Attention au centrage de la main gauche, à peu près au nombril. Allez! On en fait quelques-unes.
c'est bon? On va faire une série tous ensemble. Allez. On respire. Pensez à respirer. Aïe. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Sanjo. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Sanjo. Itch. Ni. Ça. Chi. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Gonjo. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Que. Je. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Encore là. Itch. Ni. Ça. Chi. Lock. Nana. Hotch. Que. Je. Encore 10. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Hop. Je. Je. Allez, on relâche. Respirez. Ok, même chose. Épaule droite, finir à gauche. Alors, j'ai sorti le ruban pour vous montrer les trajectoires. Ok, je vous conseille à l'occasion, je mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez acheter. Ça coûte vraiment pas cher, 4-5 euros. Très intéressant pour voir les trajectoires de vos coupes. Je rappelle qu'on est sur une spirale. Ok, c'est très important, quelle que soit la dimension. On enchaîne, donc comme je le disais, monter, passer à gauche, gauche, droite. Gauche, droite. Et ni, ça. Ok, on est bon. Olivier Burit, je vais. Merci Olivier. Allez, c'est parti tous ensemble. Aïe, ni, ça, chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu, itch, ni. Ça, chi, go, lock, nana, hotch, que, je, itch, ni, ça, chi, go, lock, nana, hotch, que, je, itch, ni, ça, chi, go, lock, nana, hotch, que, je, itch, ni, ça.
Hot. Que. Dieu. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Nana. Hot. Que. Dieu. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Nana. Hot. Que. Dieu. Encore 10. Itch. Ni. Ça. Chi. Go. Look. Nana. Hot. Que. Dieu. Allez, on lâche. Petite pause de 1 minute. Rose. Ok, exercice suivant. Donc, nous allons travailler. Hein, tout à l'heure, je disais, je parlais de relâchement, de flexibilité. Donc, un petit exercice sympathique. Ok, on va monter en coupant. Donc, monter en coupant, monter en descendant. Donc, à chaque fois, hein, ma main va se retourner. Itch, le petit doigt vers le ciel. Le petit doigt vers la terre. Le petit doigt vers le ciel. In the sky, in the earth. OK? Des fois qu'il y aurait des Anglais parmi nous. OK? Monter vers le ciel. Descendre vers la terre. Petit doigt, petit doigt. Donc, ça va orienter votre arme, d'accord? Petit doigt, pensez à votre petit doigt. OK? OK? Ça va? Tout le monde suit? On est relâché, on a récupéré. Ok, on va démarrer. Tranquillement. Ok, essayez. Alors, les pieds peuvent être joints. Ok, les pieds peuvent être joints. Quelqu'un m'a écrit quelque chose. Merci, Michael. Very good. Thanks, thanks, guy. Thanks. Ok, alors, la prochaine fois, on la fait que en anglais. Ok, les pieds peuvent être joints ou avec la jambe droite, si on est main droite, hein, d'accord, ici. Voilà, par contre, ce qui est important, c'est ça, ok, c'est de bouger le ventre. Ok, utiliser un hala, tanden, hein, ok, les Japonais disent aussi tanden, ok, ça va. Donc là, je vais mettre la deuxième main, ça ne change rien en fait, hein. Alors, le petit doigt concerne la main droite. Ah, ok, la main droite. Si c'est à deux mains, vous pouvez le faire à une main. Ok, une main, ça va. Et ouais, j'ouvre ma hanche, je ferme ma hanche. J'ouvre ma hanche, je ferme ma hanche. J'ouvre ma hanche. Ok, on va faire une petite série, ça va? Ok, soit une main, soit deux mains, comme vous voulez. Itch, ne, itch, ne. Je démarre doucement. Itch, ne. Itch, ne. Itch, ne. Itch, ne. Itch, ne. Ok, allez, c'est parti. Itch, ne. Ça, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ne. Ça, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ne. Ça, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ne, sa, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ne, sa, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ne, sa, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ni, sa, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ni, sa, chi, go, look, na, at, que, dieu. Itch, ni, sa, chi, go, look, na, at,
Allez, on fait la pause. 30 secondes. Ça va, ça commence à chauffer tranquillement. Ça chauffe. Ok, on va passer le même exercice, hein, mais ce coup-ci, je démarre à gauche, je pars à droite et vice-versa. Hein, ok, tout à l'heure, on était droite-gauche, ici on est gauche-droite, ok. Audrey, ça chauffe. Lilia, ça chauffe. Nice. Allez, on y croit. Super. Ok, donc gauche-droite. On va rajouter un petit élément, les pieds, j'en ai pas encore parlé, enfin j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc les pieds. On va essayer de changer les pieds à chaque fois. Ok. Changer de pied. Ok, donc itch ne. Si c'est compliqué, pieds joints, ça va très bien. Ok. Ce qui est important, c'est de garder le relâchement, la flexibilité. Ok, c'est parti. Petite pause de 30 secondes. Aïe. Ok, suite des événements. Alors, on va passer sur Shiokiri en Kesagiri. Je vous montre. Allez. On va démarrer avec Enka, juste Enka. Ok, donc, jambe. Okay, on démarre à droite. Jambe droite, Kesagiri. Enka. Montez le sabre, épaule gauche, coupée. Jambe droite. Ok, accélère à droite. Enka. Épaule droite, coupée. On finit à gauche. Enka, épaule gauche, finir à droite. Enka, épaule droite, finir à gauche.
Écart. Épaule gauche, lumière droite. Ça va? C'est good? Je vais pas trop vite? Ok? Ce qui est important, donc c'est le NK, hein, on est d'accord? NK, ok? NK, les pieds sont disponibles. Décrochez les pieds hein, pour ne pas tirer sur les genoux. Ok? Les pieds, hein, les pieds se déconnectent du tatami. Ne pivotez pas les pieds coulés. C'est dangereux pour les genoux. Ok? Décollez vos pieds. Ok. Ich, enka, ni. Ich, enka, ni. Ça va? Vous êtes pas trop perdu? Oui, j'ai perdu quelqu'un en route. Allez, c'est parti. Ok, c'est le dernier exercice, ensuite on fera le kata. Allez, alors épaule. Droite. Ok, j'ai une réponse. Ça devient un peu tendu en semi-squad. Je suis le seul limité par le plafond. Eh oui. Jean, refaire droite, gauche. Moi, pas comprendre. Ok, je remonte encore. Encore une fois. Donc, on démarre à droite. Coupé. On finit à gauche, d'accord? La pointe à gauche. Je me retourne, je passe mon arme, épaule gauche, ma pointe à droite quand je finis. On coupe en diagonale. Itch, épaule gauche, épaule droite. Épaule gauche, épaule droite. Ok, ça va? C'est bon, ok, good Jean. Hein? Épaule droite, épaule gauche. Épaule droite, épaule gauche. Épaule droite, coupe en diagonale. Épaule gauche, coupe en diagonale. Ok, c'est parti, on fait 25 mouvements, 25. Et après, on va rajouter un petit déplacement. Allez, c'est parti. Aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Ach. Q. Dieu. Aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock, nana, hatch, q, due, h, ni, sa, chi, go, lock, nana, hatch, q, due, ok. Oui, impeccable. Julien, merci. Impec. Ok, on rajoute un déplacement. Attention, ça se corse un petit peu. Ok, pour ne pas oublier, n'hésitez pas à liker la chaîne, s'il vous plaît, à vous abonner, à diffuser comme ça. Cool, merci beaucoup d'avance. On rajoute un déplacement. Alors, la même chose au démarrage. Ok, NK. Maintenant, hop, changement de direction. Ok, à refaire. H, épaule droite. Épaule gauche. Je pars à droite. Épaule droite. Épaule gauche. Ok, donc le déplacement, c'est une croix. Une croix. Ok, une croix. Et le sabre en alternance. Épaule droite, épaule gauche, épaule droite, épaule gauche. Juste falloir synchroniser le haut et le bas. Ça va? On recommence. Épaule droite. Oui. Épaule gauche. Oui. Je pars à droite. Épaule droite.
Épaule gauche. On recommence. Épaule droite. Aïe. Épaule gauche. Aïe. Je parle à droite. Épaule droite. Aïe. Épaule gauche. Aïe. N'hésitez pas à ajouter les kiaï, ça fait du bien. Rose. Allez, c'est parti. Épaule droite. Aïe. Épaule gauche. Aïe. Épaule droite. Aïe. Épaule gauche. Aïe. Ok, ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? On va enchaîner, je ne m'arrête plus. Je ne vais pas trop vite. Ok, je n'ai pas de réponse, donc c'est good. Allez, je bosse. Allez, c'est parti. Épaule droite. Ah, j'ai une réponse. Mon voisin vient d'appeler la police. Mes pauvres voisins. Aïe! Aïe! Du qui aïe! Ça va les réveiller. C'est bon pour le confinement. Allez. À bas le virus. Aïe! Nié! Top! Chier! Go! Lock! Nana! Hatch! Dieu! Dieu! Ok, ça va? Donc à chaque fois, on part à droite une fois sur deux. Oui, on est d'accord. Allez, c'est parti. Aïe! Ni! Ça! Chier! Go! Lock! Nala! Aïe! Que! Dieu! Aïe! Ni! Stop. Chier. Go. Lock. Nana. Hop. Dieu. Dieu. Aïe. Né. Stop. Chier. Go. Lock. Nana. Hop. Dieu. Dieu. Aïe! Ni! Ça! Chier! Bloc! Bloc! Nana! Hotch! Que! Dieu! Aïe! Ni! Hop! Chier! Bloc! Bloc! Nana! Hotch! Dieu, la salle de l'eau, ni, ça, chier, go, look, voilà, hatch, que, Dieu, allez, on relâche. Allez, fin des exercices, on va passer au kata. Une minute de pause. Michael. Allez, on enchaîne. Alors, on va passer sur le premier kata de l'école Kashima. Et on va faire la partie, on va faire le rôle de celui qui gagne, d'accord? Donc, je vous mets le nom des katas. Alors, le premier kata, c'est Kesageli. Vous aurez remarqué qu'on l'a déjà fait. Est-ce que je vous mets tous les noms tout de suite? Je réfléchis. Moi. Donc, Kesageli, ok. Bon, on va démarrer là-dessus. Allez, Kesageli. Allez, donc ça reprend ce qu'on a fait l'échauffement. Premier kata. Le lustre est tombé tout seul.
Ok. Ok, essayez de visualiser comme si vous étiez avec quelqu'un, d'accord? Ok, essayez de visualiser comme si vous étiez avec un partenaire. Donc, on démarre pied et joint. Ok, jambe droite, ouvrir. Oui. Le partenaire a reculé, il présente son arme. Montez de ça, épaule droite. Passez à gauche, jambe gauche, coupez. Aïe! Le partenaire recule, il présente son arme de l'autre côté. Passez l'arme à gauche, jambe droite, coupez. Aïe! Reprendre le contact, reculez. 1, 2, 3, pieds joints. Ok, encore une fois. Hitch, jambe droite. Le partenaire recule. Il présente son arme. Passez l'arme. Côté droit, épaule gauche, jambe gauche. Aïe! Coupé. En diagonale, qu'est-ce que ça guérit? Le partenaire recule. Présente son arme de l'autre côté. On inverse le mouvement. Montez à gauche, jambe droite, épaule droite. Aïe! Reprendre le contact. 1, 2, 3. Ok, je le fais sans parler. Aïe! Ni! Ça! Chier! Go! Encore une fois. Aïe! Ni! Ça! Chier! Go! Aïe! Ni! Ça! Go. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires. Attends, je vais regarder. Ben écoute, Mickaël, je ne sais pas, l'arme, la vidéo, je ne sais pas comment ça marche. J'espère qu'on peut la laisser. Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que j'utilise YouTube machin là, en direct. Ok, on continue, on verra après, d'accord? Aïe. J'espère. Encore une fois. Pied joint, jambe droite, jambe gauche, épaule gauche, aïe, coupé. Jambe droite, épaule droite, aïe, contact, reculez, hitch, ni, sans. Encore une fois, hitch, jambe droite, ouvrir. Jambe gauche, épaule gauche, aïe! Jambe droite, épaule droite, aïe! Contact. Hitch, ni, sans. Pied joint. Encore une fois. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche, aïe! Jambe droite, épaule droite, aïe! Contact. Hic, ni, sans. Encore une fois, dernière fois, jambe droite. Aïe! 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 Ok, deuxième kata, ok, toujours le rôle de celui qui gagne. Je vous passe les termes japonais pour pas trop vous encombrer, d'accord? Donc, deuxième kata de la première série Kashima. Hashi, Balai, pour ceux qui auraient fait du karaté, ou Kibune, ou Kibune. Ok, je pense à la japonaise, vous m'excuserez. Hein. Hashi.
Balai ou Kibune. Une idée de bloquer la jambe et le sabre. Hachi Balai ou Kibune. Pour la petite révision, le premier mouvement, c'était Kesagiri. Aïe, deuxième mouvement, Hachi Balai ou Kibune. Allez, on enchaîne. Aïe. Donc, on démarre toujours pieds joints. Pieds joints, je vais mettre en diagonale peut-être, ça sera mieux. Pieds joints. Allez, jambe droite. Jambe droite. On va venir en Kesagiri. Aïe! Montez épaule gauche. La jambe gauche va avancer légèrement. Et on descend. Aïe! Toujours le pied droit devant. Aïe! Et on coupe. Aïe! Aïe, on l'a refait. Pied joint. Jambe droite. Kesagiri. Aïe! Épaule gauche. Pied gauche. Arrive derrière la jambe droite. Sur une ligne. On vient casser l'attaque au genou. Aïe! Toujours la jambe droite devant. Menacer le partenaire. Aïe! Contrôlez-le. Toujours la jambe droite devant. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Coupé. Contact. Revenir en positionnement initial. Encore une fois. Jambe droite. Kesagiri. Aïe! Épaule gauche, jambe gauche, arrive derrière, pied droit. Cassez l'attaque. Aïe! Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Coupé. Contact. Position initiale. Jambe droite. Kesagiri. Aïe! Épaule gauche, pied gauche, pied gauche, derrière pied droit. Aïe! Cassez l'attaque. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Coupé. Contact, revenir. Position initiale. Jambe droite. Kesagiri. Aïe! Connectez bien votre main gauche avec votre nombril. OK? Les hanches ouvertes. La pointe au niveau des yeux. Jambe gauche, épaule gauche. OK? Derrière le pied droit. Cassez l'attaque. Aïe! Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Coupé. Contact. Encore une fois, jambe droite. Kesagiri. Aïe! Jambe gauche, épaule gauche. Cassez l'attaque. Aïe! Jambe droite. Chut. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Contact. Ok, maintenant je compte. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. On a fini la cure. Ok. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ah, Hachi, Kyu, Jeu. Ich. Ni. Sa. Shi. Go. Lok. Nana. Hachi, Kyu, Jeu. Ich.
Ni. Sa. Chi. Go. Lok. Nana. Hachi. Dieu. Dieu. Aïe. Toi. Relâche un peu. Cécile, merci. Ça va? Tout se passe bien? Ok, dernier mouvement, le troisième. On ne fera pas la série complète. Donc, premier mouvement, Kesagili. Deuxième mouvement, Ashibalai ou Kibune. Troisième, pardon, mouvement, je dis kata en fait. Hein, troisième kata. Premier kata, deuxième kata. De près, ça fait peur. J'ai fait fuir mon chat. Ok, dire. Ok, donc troisième kata, Kiliwari. Kiliwari. Ok, casser une coupe. Walu, c'est casser, d'accord? Casser, walimas, walu. Kili, hein, kili, c'est couper, d'accord? Julien, merci Julien, super. C'est grâce à vous. Ok, kili wali, casser une coupe. Donc, c'est certainement, selon moi, l'un des katas les plus difficiles de l'école Kashima. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. C'est une coupe qui arrive sur la tête, qu'il faut casser. Vraiment pas facile, ça fait très peur. Allez, on essaye. Donc, shomen, shomen, si vous préférez. On garde le même rôle, bien sûr. Allez. Donc, on démarre toujours pieds joints. Pieds joints. Jambe droite, ouvrir. Là, vous allez imaginer que le partenaire vient vous couper la tête avec les 10 premiers centimètres de son arme, ce qui induit un engagement du partenaire, un engagement pour pouvoir vous toucher. À partir de là, je vais venir casser avec un mouvement, encore une fois, en spirale. Hein, en spirale. Si j'exagère, ça donne ça. Aïe! Le partenaire recule, prend une distance, présenter son arme, jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Je coupe. Contact. 1, 2, 3. On commence. Jambe droite. Imaginez le partenaire qui arrive sur votre tête. Il faut casser l'attaque. Pensez à la spirale, la scène en japonais. Aïe! Le partenaire recule, présenter son arme. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Contact. Ich, ni, sa. Jambe droite. Casser l'attaque. Kili wali. Aïe! Partenaire recule. Présente son arme. Jambe gauche, épaule gauche coupée. Contact. Jambe droite. Partenaire arrive sur ma tête. Casser la coupe. Aïe! Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Contact. Ni, sein, pied joint. Jambe droite. Casser la coupe. Aïe! Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Contact. Ni, sein, pied joint. Jambe droite. Casser la coupe. Aïe! Jambe gauche, épaule gauche. Aïe!
Contact. 1, 2, 3. Je fais sans parler. Aïe! Tour! Changement d'angle. Aïe! Tour! Changement d'angle. Aïe! Tour! Encore une fois. Aïe! Tour! Ok, dernière. Imaginez l'attaque sur votre tête. Comme ça. Aïe! Tour! Contact, reculer, reprendre la distance. Aïe! Allez, on va saluer. Salut Kashima, si on s'en souvient. On descend. On pose la main gauche sur le genou, l'arme au sol presque. Regardez votre partenaire. Reprendre son arme, se redresser. Ranger son arme. Passer à droite, reculer, saluer. Allez! Un grand merci. Allez, si vous voulez échanger un peu, vous avez 2-3 questions. On va juste s'étirer un tout petit peu si vous voulez bien. Et je vais allumer juste une lumière derrière, hein, parce que je vois que ça s'assombrit un peu, j'arrive. Voilà, est-ce que c'est mieux? Peut-être pas la lumière du fond, ça a l'air d'être un peu trop violent. Ah, voilà, ça c'est mieux. Allez, ok. Merci pour le cours, Laurent, avec plaisir. On va juste s'étirer un peu si vous voulez. Tranquillement. En tous les cas, merci beaucoup si vous devez nous quitter. C'était sympa de faire ce cours avec vous. J'essaierai de vous proposer peut-être un ou deux cours par semaine. On va voir comment on peut s'organiser. Merci à Yannick pour l'inspiration et la demande. Et à Olivier. Great team. Et on finit avec quelques étirements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page si vous voulez suivre les contenus. J'en mets de temps en temps. J'essaierai d'en mettre peut-être un peu plus. Hein, ok. Alors, on va s'étirer un petit peu. Aïe, allez. Donc, on va se mettre sur le dos. Est-ce qu'on me voit? Ça va, on me voit? Oui. Alors, ok, on me voit? Oui, non. Oui, non, on va avancer ça peut-être un petit peu. On va aller vers le bas. Ah, voilà, ça, c'est mieux, ça. J'aurais dû faire ça depuis le début. Ok, donc, on croise les jambes. Ok, on va ramener les genoux vers soi, poser la tête et on respire. On va tirer dans les fessiers. Donc, c'est un mouvement que vous connaissez qu'on fait souvent ensemble. On maintient et on compte jusqu'à 45 à peu près. Allez, on change de jambe. Et
Oui, ok. Alors, même idée de mouvement. On va venir s'asseoir. On va poser une jambe devant l'autre et on va descendre. Voilà. Avec l'idée que ça doit étirer encore une fois dans les fessiers. Alors, chacun sa limite, hein, d'accord. Est-ce qu'on me voit encore? Je ne sais pas. Ok, on change de jambe. J'arrive pas à mettre les jambes. Ça veut dire quoi? Merci Laura, c'est super. Merci beaucoup. J'aime pas sur une chaise, ça marche. Oui, sur une chaise. Oui, on peut le faire sur une chaise. Donc, on s'assoit sur une chaise pour ceux qui. Vous asseyez sur une chaise et vous mettez comme ça et vous descendez. C'est la même chose, Olivier, pas de problème. Very good. Vous pouvez faire ça au boulot, par exemple. Vous asseyez comme ça sur la chaise. Donc, bien sûr, cette jambe-là, par exemple, elle est au sol. Et vous ramenez votre genou et vous descendez. Donc, c'est le même exercice, exactement, sauf que vous êtes sur une chaise. Ça, au boulot, on peut le faire sur les informaticiens, les gens qui sont beaucoup assis. Là. OK? Ok, tout va bien. Merci Robert, super. Donc, alors encore une fois, chacun ses possibilités, hein, d'accord. C'est désagréable, peut-être, mais pas douloureux. Enfin, alors en japonais, il y a l'expression, c'est ita kimochi, ça fait mal et ça fait du bien, vous voyez. Ça doit faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous c'est trop douloureux, il y a certainement un souci de placement, faites attention. C'est rien d'aller dans la douleur. Prenez soin de votre corps. Ce n'est pas forcément agréable, mais ça doit quand même rester, j'allais dire agréable, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, ok. Il ne s'agit pas de se faire mal. Même idée de l'autre côté. Donc, j'inverse. Hop. Voilà, là, je descends. Alors, les gens qui sont très souples ou qui n'ont pas vraiment de problème de dos, vous pouvez essayer d'étirer dans ce sens-là aussi. Parce que moi, je ne fais pas, vous voyez, j'adapte l'exercice puisque j'ai des problèmes de vertèbres. Donc moi, je vais plutôt aller rester en bas pour éviter la lordose dans le dos. Hein, puisque moi, c'est un mouvement qui ne m'est pas conseillé. Donc, vous voyez, adapter les exercices selon soit les blessures, soit vos dispositions. Chacun ayant peut-être des soucis. Voilà. Moi, j'ai des problèmes de vertèbres, donc je fais attention au bas du dos. Ouais. Alors, un petit exercice pour aller chercher les adducteurs tranquillement. Si je me mets de profil, ok, ça donne ça. Les pieds se touchent. Voilà. Et n'arrondissez pas le dos, ça ne sert à rien. On essaie de descendre le dos bien droit. Voilà. On peut aussi venir un petit peu gentiment, appuyer gentiment sur les genoux. Allez. Pour finir, alors, la même idée, encore une fois, n'arrondissez pas votre dos. Si vous ne pouvez pas écarter beaucoup les jambes, ce n'est pas grave. Hein. Voilà, chacun son niveau. Quand on a des tatamis, on peut accrocher un tatami. Regardez, j'accroche un tatami et ça m'aide à m'étirer. Vous voyez, j'ai un appui, je le prends. Donc voilà, ça, c'est intéressant d'avoir des appuis. Ça peut vous aider soit à stabiliser une position, soit à aller un peu plus loin dans la position.
Voilà. Et donc, toujours avoir le rachis dans l'axe, hein, dans la rectitude du rachis, faites attention. Donc, voilà. Si on peut, voilà, on descend. Si on ne peut pas, eh ben, c'est pas grave. Hein, l'idée, c'est que voilà, ça doit tirer un peu à l'intérieur des jambes. OK ? Voilà. Allez. Alors, on va faire un petit salut final et ensuite je vous pose une ou deux questions. Allez, allez, Thomas. Allez, ok, un grand merci à tout le monde. J'espère que à la fin du commandement, je touche le sol. Ouais, Cécile, c'est sûr. Alors, c'est des exercices à faire tous les jours si vous pouvez, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. J'espère qu'on pourra le faire. Je sais pas du tout comment ça marche, mais n'hésitez pas. Ça me permettrait. Merci Sensei. Hi, merci à vous. Merci Eric. Ah, Eric est là. super. N'hésitez pas, voilà, à me poser des questions, soit sur des choses que vous n'avez pas compris, ou alors sur des choses que vous voudriez revoir ou des questions que vous avez. Ça peut me permettre de préparer les prochains cours, hein, n'hésitez pas, mais bon, bien sûr, si des idées j'en ai. Et puis bon, voilà, c'est aussi des exercices qu'on va répéter, bien sûr, mais quand même, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Donc vraiment, c'est même mieux d'ailleurs. On n'a peut-être pas assez l'habitude de faire des retours et demander, on a souvent un manque de temps aussi. Donc voilà, merci William, merci beaucoup. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions ou à me faire un retour sur des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez revoir. Et voilà, la prochaine fois, on essaiera de travailler un peu le Makoro. Si vous pouvez aller voir les fiches que j'ai mis sur Facebook sur les étirements Makoro, c'est très intéressant. Et puis, on continuera bien sûr à faire du Kenjutsu. Voir, pourquoi pas différencier, à voir. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous vous portez bien et puis que ça se passe bien pour vous. Et puis, bah, au plaisir de vous revoir. Voilà, merci beaucoup, un grand merci. Et je vous dis à bientôt. Aïe, à Thomas. Bisous, bisous, merci beaucoup. Aïe, à Thomas. C'est Thomas.